Alors, bonjour à tous et à toutes. Je tiens à vous remercier à l'avance, moi aussi, pour l'attention que vous portez à cette première conférence de presse virtuelle de la FIC, parce qu'elle est importante pour les professionnels en soins, pour celles qui sont actuellement sur le terrain et pour celles et ceux qui sont touchés de loin, de proche par la COVID-19. Il y a bientôt 8 semaines que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré afin que le Québec puisse vaincre cette pandémie. Le Québec s'est mis sur pause, mais les professionnels en soins, eux, se sont mobilisés, se sont serrés les coudes pour être au cœur de cette crise, y faire face pour la population et pour leurs patients. Maintenant, collectivement et humainement, nous arrivons à un moment charnière de cette crise. En effet, on le sait, on est à l'étape où les autorités publiques prennent les décisions pour amorcer graduellement la sortie du confinement. Le moment où l'ensemble de la société espère voir la lumière au bout du tunnel et où les enfants vont commencer graduellement à retourner à l'école. Le premier ministre, les autorités, leurs discours se veulent positifs et l'espoir semble renaître. Enfin, oui, c'est le printemps. Mais aujourd'hui, on va se le dire, pour le réseau de la santé, pour les professionnels en soins, dans les CHSLD, nous sommes en plein cœur de cette crise. Plus que jamais, l'intensité, le besoin de soins, la présence des professionnels en soins, elle est requise. Donc, nous sommes encore en plein cœur de cette crise et de cette pandémie. Durant les dernières semaines, il y a eu beaucoup de bruit, effectivement, et avec raison, autour de la crise dans les CHSLD, on a appelé renfort l'armée, nos retraités, nos étudiantes, nos finissantes, sont venues porter main forte et nous avons grandement besoin d'elles. Plusieurs personnes ont pris la parole, ont été entendues, des professionnels de la santé, des personnalités publiques, des citoyens se sont indignés de la situation extrêmement dramatique à laquelle font face de nombreux CHSLD du Québec. Les personnes âgées, nos personnes les plus vulnérables, nos patients sont tombés par dizaines sous les yeux de nos professionnels en soins, sous les yeux de nos soignantes. D'abord, c'est sûr que je tiens à remercier du fond du cœur toutes celles et ceux qui ont relevé le manche pour venir en aide aux patients et aux professionnels en soins et qui sont toujours là. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Mais aujourd'hui, je souhaiterais que notre regard se porte sur celles et ceux qui, avant, pendant cette pandémie, qui sont au cœur, puis qui devront être encore là après cette crise. Elles doivent être là encore pour soigner, même quand les lumières peuvent sembler s'éteindre parce qu'on est en période de déconfinement. Ces professionnels en soins ont besoin d'aide actuellement. Ce sont elles qui, depuis longtemps, n'ont pas eu la possibilité de dire ce dont elles étaient témoins au quotidien et qui, même pendant la pandémie, ont continué, pour la majorité, oui, à témoigner, mais de façon anonyme. Nous avons reçu plus de 750 témoignages de professionnels en soins qui relatent beaucoup, beaucoup de difficultés, notamment encore des communications incohérentes des directions, le manque de matériel, le manque de personnel, leur épuisement, leur deuil quotidien à faire et la peur d'être contaminés. Elles nous ont fait part d'une série d'obstacles qui les empêchent de soigner, qui les empêchent de donner des soins de qualité sécuritaire. Pour la plupart d'entre elles, le combat contre la COVID-19 est vraiment loin d'être terminé. Pour toutes celles qui vivent, je me permets quand même de citer deux d'entre elles ce matin. À chaque jour, soir, nuit, les travailleurs en CHSLD s'éloignent un peu plus de tout. On est comme tout seul sur une comète qui s'éloigne tranquillement de la Terre. Nos dirigeants disent qu'ils nous ont vus, mais on a l'impression encore et encore de s'effacer à l'horizon avec notre brume et nos drapeaux blancs. Je viens d'être informée que nous travaillerons 2 fins de semaine sur 3 dans quelques jours.
Nous sommes démoralisés par cette nouvelle qui entraîne un casse-tête monumental pour notre vie familiale. Je pense à ce collègue dont la conjointe travaille aussi en santé, dont les grands-parents âgés ne peuvent pas garder les enfants et qui court chaque fin de semaine en espérant trouver une gardienne. Je sens que beaucoup de membres sont en train de baisser les bras. Plusieurs pensent à la démission. J'ai vu une collègue vouloir donner sa démission et se faire répondre par la direction qu'elle ne le prendrait pas, cette démission. Je parle aux employeurs. On a besoin de garder nos professionnels en soins pour les patients, pour la population. On a besoin maintenant de garder tous nos professionnels en soins, mais je vous rappelle qu'il y aura un après-COVID aussi. Comme porte-parole de 76 000 membres, 76 000 professionnels en soins, majoritairement des femmes, je m'adresse à vous en leur nom. Je m'adresse aux employeurs, je m'adresse au gouvernement, car elles ne savent plus ni quand ni comment elles pourront avoir droit à un peu de repos. Je vous demande la bienveillance. Je vous demande de prendre soin de celles qui prennent soin actuellement des patients. Cette crise, elle va perdurer encore. On a besoin de tous nos professionnels en soins. Je vous rappelle qu'il y aura aussi un après-crise et on aura besoin de tous nos professionnels en soins du Québec. Faites leur attention. Nos patients en ont besoin aussi. Des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes, nos patients ont besoin de leurs professionnels en soins. Vous le savez, les effets de l'arrêté ministériel, les employeurs du réseau de la santé et des services sociaux, c'est vrai qu'ils ont pleine autorité pour placer la main-d'œuvre au service de la lutte contre la pandémie. Outre les changements d'horaire, les déplacements forcés, cela signifie aussi pour certaines que leur temps de repos sera supprimé. Plusieurs, dans les derniers mois et les dernières semaines, se sont vues, bien sûr, annuler leurs vacances, mais plusieurs d'entre elles se font dire encore cette semaine et pour les prochaines semaines, qu'elles n'auront probablement aucune vacance cet été. Ces gens ont besoin de repos. Je vous demande une attention particulière. On demande que ces professionnels en soins-là puissent voir qu'elles auront droit à des semaines de repos cet été pour être capables de continuer à travailler auprès de la population et pour être capables d'être combative à tous les jours devant la crise de la COVID-19. Le 27 avril, je me suis adressée directement au ministère afin que le droit, notamment aux vacances, entre autres, soit rétabli pour nos membres. En effet, l'application mur à mur des dispositions de l'arrêté ministériel ont des effets actuellement désastreux sur la vie des professionnels en soins, qui sont des mères de famille, des conjointes, des proches aidantes. Leur esprit est non seulement mobilisé par la pandémie, d'un point de vue professionnel, elles sont au rendez-vous, mais aussi elles ont un casse-tête sans précédent pour faire face au quotidien. Notre demande est claire, il faut obligatoirement permettre à l'ensemble des professionnels en soins d'avoir un temps de repos dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous avons invité le ministère à envoyer un signal sans équivoque et clair aux employeurs du réseau de la santé. Aujourd'hui, je m'adresse à la population, au gouvernement, aux employeurs, afin que vous vous montriez solidaires des professionnels en soins pour qu'elles puissent continuer d'être au rendez-vous, mais pour qu'elles passent, elles aussi, à travers cette crise. Elles doivent recevoir les encouragements qu'elles méritent, mais ça doit se concrétiser aussi, outre que des déclarations publiques, par des mesures de reconnaissance, où elles vont trouver la force de poursuivre leur travail après cette pandémie. L'arrêté ministériel ne devrait pas être appliqué mur à mur et de façon injustifiée. Les professionnels en soins doivent pouvoir compter sur la solidarité des employeurs. Les professionnels en soins ont besoin d'eux pour continuer à vaincre la pandémie. Sans quoi le réseau de la santé et des services sociaux va perdre grandement ses forces vives. Je veux vous le dire, là, puis je vais le répéter, les professionnels en soins sont
aussi des humaines derrière les masques. Merci. Alors, nous allons donner la parole à M. Alexandre Bégin, président du syndicat des professionnels en soins de la Montérégie-Est. J'ai choisi de quitter mon poste à temps plein après mon congé de maternité pour un temps partiel de jour. J'ai deux enfants de moins de 3 ans qui n'allaient pas à la garderie car ma mère pouvait les garder les quelques jours où je travaille. Mon conjoint a un horaire de travail atypique. Il quitte la maison pour 6 semaines sans revenir les soirs, les fins de semaine. Je suis donc seul avec mes enfants. Je suis maintenant obligé de travailler à temps plein et mon conjoint part demain matin. Ma mère va être forcée de venir garder chez moi tous les jours. Je dois travailler toutes les fins de semaine du mois de mai, sans exception, pour avoir une chance de tester de rester sous mon département. Nous n'avons pas été consultés pour savoir si on pouvait faire des journées de plus à notre horaire pour combler les manques, ce qui en passant m'aurait fait plaisir. Comme je suis la plus jeune de jour, le risque d'être envoyé dans une zone chaude me terrifie. Le stress causé par ces changements est insoutenable. Je n'ai pas dormi plusieurs nuits en pensant à comment j'allais réagir à mes problèmes familiaux. Je ne crois pas que nous puissions continuer ainsi. Merci. Merci. Alors, ce sera au tour de Mme Sophie Seguin de lire un témoignage de professionnels en soins. Elle est présidente du syndicat des professionnels en soins des cantons de l'Est. Moi, je travaille sur l'unité de patients COVID positifs de l'hôpital. Le personnel a tellement peur de contaminer leur famille que certaines s'isolent dans des logements, à part de leur famille pendant le temps de la crise. Vous imaginez, vous êtes privé de voir vos enfants pendant 1, 2 mois ou même plus. S'isoler est un choix personnel, évidemment, mais c'est un choix qui n'aurait pas été envisagé si les mesures de protection individuelle étaient adéquates et disponibles. Ce qui est demandé, c'est que l'employeur nous fournisse des conditions de travail sécuritaires. En plus de tous les risques que nous devons prendre, le personnel se fait retirer ses droits prévus aux conventions collectives, nos droits comme employés. En plus de notre santé à risque, des heures interminables de nos corps qui sont en plus en nous demandant toujours plus et qui ne permettent pas aux anges de se reposer et on pense même d'annuler mes vacances. Je peux revenir à tout moment avec un virus ou une maladie à la maison que je transmettrai à ceux que j'aime. On donne sans compter plus que jamais et on nous en réclame encore davantage. On me retire mes droits en tant qu'employé et je n'ai jamais autant ressenti que mon travail n'était pas considéré aux yeux de la bureaucratie qu'en ce moment. Si aucun changement n'est fait, nous serons nombreuses à prendre des congés pour ce virus ou même avoir des burn-out. Si vous n'ouvrez pas les yeux, ça n'irait pas mieux. Faites des changements avant qu'il soit trop tard. Alors, je vais passer la parole à Mme Kathleen Bertrand, présidente du syndicat des professionnels en soins du nord de l'île de Montréal. Je travaille habituellement au soutien à domicile du CLSC et on m'a délesté de force au CHSLD. Par ancienneté inversée, non, je n'étais pas volontaire et en plus, 3 collègues étaient moins anciennes que moi. Je n'ai jamais mis les pieds dans un CHSLD. Lors de ma première journée, je n'ai eu aucun jumelage, aucune formation, rien. Ils m'ont envoyée comme infirmière responsable de la zone chaude, avec jaquette de papier, masque de procédure et lunettes. J'ai pleuré, pleuré et pleuré, aucun soutien. Personne n'est jamais venu me voir. Je ne connais pas les lieux, les papiers, pas de code pour l'ordi, pas de numéro à appeler au besoin. Personne ne m'avait avisé. Mais il n'y avait personne pour me remplacer le soir et ils m'ont gardé jusqu'à 19 heures. J'ai 3 enfants et un conjoint qui est aussi infirmier. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Le lendemain, la situation est encore pire. Ma sécurité et celle des patients étaient en danger. La FIC a fait des démarches auprès de l'employeur et celui-ci a répondu que le problème était résolu, qu'on m'avait jumelé. Mensonge. J'étais encore seule. Je vis cette situation comme une prise d'otage. Je me sens brimée dans mes libertés et après cette crise, j'évaluerai l'option d'une réorientation. Maintenant, c'est le tour de Mme Francine Savoie qui lira aussi un témoignage, présidente du syndicat des professionnels en soins de la Montérégie-Ouest.
C'est un cri du cœur que je lance aujourd'hui. Je ne me suis jamais sentie aussi démunie. Je suis infirmière clinicienne avec un poste d'équipe volante. On m'a appelée cette semaine durant mes vacances. Direct là-bas tantôt, là. Je t'avais. Je m'excuse. On m'a appelée pour m'annoncer que mes vacances étaient annulées. En passant, ce sont mes seules vacances de l'hiver. Dû à la mise en place du décret ministériel, j'ai pleuré de rage, d'épuisement. Je me suis à peine reposée qu'il fallait déjà que je retourne sauver le navire qui est en train de couler. Ce matin, on m'a forcée à aller prêter main-forte dans une résidence pour personnes âgées où le COVID a frappé fort, autant chez les résidents que le personnel soignant, un endroit où je n'ai jamais mis les pieds. J'ai aidé comme j'ai pu. J'ai fait manger les patients, j'ai fait des toilettes avec les préposés. J'ai croisé une infirmière sur un autre étage avec la même peur que moi dans les yeux. On s'est soutenus, on s'est dit que tout va bien aller, en espérant que quelqu'un vienne nous remplacer à la fin de notre quart. Malgré le peu de personnes régulières sur les unités, l'équipe était super compréhensive et répondait à toutes mes questions. La seule chose qui me fait garder le sourire, ce sont les résidents, qui eux étaient contents de me voir. J'étais une des seules personnes à qui ils allaient parler aujourd'hui. Monsieur Legault, vous nous retirez tout ce qui nous aidait à passer à travers notre travail difficile. Tout le monde est à bout. Et vous êtes en train de perdre vos anges. Les démissions continuent d'augmenter avec votre décret et j'y pense sérieusement moi aussi. Je comprends que nous sommes en situation de crise, mais nous ne sommes pas des numéros ni des robots. Nous sommes des humains. Je passerai maintenant la parole à Mme Julie Bouchard, présidente du syndicat des professionnels en soins du Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui nous lira aussi un témoignage. Je suis une infirmière auxiliaire en CHSLD et on a été énormément en manque d'effectifs au début de l'éclosion. L'employeur a décidé de fermer un département pour que des personnes viennent nous aider. Je n'ai pas eu à être déplacée. On comprend qu'en situation d'urgence, il fallait faire le nécessaire. Ça ne se bousculait pas aux portes, mais ça a permis d'avoir des bras dans un premier temps. Mais là, nos vacances, c'est le seul moment de repos qu'on a et on va en avoir besoin plus que jamais. Si on n'a pas nos vacances, on va partir en maladie, c'est sûr. Moi-même, j'y pense. C'est très difficile psychologiquement. Celles qui ont été transférées contre leur volonté, elles ne sont pas à travers un univers qu'elles connaissent. Il n'y a pas personne qui pleure pas chaque jour. On est tout à bout. Puis on ne sait pas s'il va y avoir une fin. On a déjà une démission. La personne n'était plus capable de donner. Ça lui demandait trop pour sa santé. J'ai un horaire de jour à temps complet. On arrive plus tôt, on part plus tard. Il y a toujours un stress avec la famille. On apprend à se protéger, mais le stress reste là constamment. Celui de contaminer les autres, de contaminer notre famille. On ne dort pas bien et ça joue beaucoup sur notre morale. C'est tout le temps présent. Il y a plus d'employés que de patients contaminés au travail présentement. Avec des vacances, le stress redescendrait. Quand on a une fin de semaine de congé, la première journée, on ne fait que pleurer. On ne veut pas, mais il faut que ça sorte. Je ne suis pas comme ça dans la vie, et ça m'en prend, mais ça me prend au moins une journée à décompenser. On ne se reconnaît plus nous autres-mêmes. On se perd là-dedans. On parle entre nous, heureusement. On a vraiment besoin d'un temps de repos pour retrouver notre santé mentale et physique. Alors, monsieur, maintenant, c'est le tour de monsieur Denis Provencher, président du syndicat des professionnels en soins des Laurentides. Bonjour, monsieur Legault. Je suis infirmière clinicienne. Je suis aussi une mère. Vous savez l'arrêté ministériel? Vous savez les dégâts qu'il a créés auprès de mes collègues? La réalité du personnel infirmier est que nous nous sentons comme des objets, des pions que l'on déplace sur un échiquier crochu. Il y a eu coupure de nos jours fériés, annulation des vacances, annulation de congés de pré-retraite, report de congés de paternité. Nous sommes déplacés contre notre volonté sur d'autres départements. Nous sommes pris en otage. Nous avons complètement perdu notre libre arbitre. Nous sommes soumis et mains liées. Nos santé physique et mentale sont jouées sur la table. Cet arrêté ministériel est une bombe. Vous comprenez que nous espérons que l'arrêté ministériel cesse dès que possible.
Si la population peut recouvrir sa liberté, le dit arrêté doit cesser et nous retrouverons également nos libertés. Alors, je passerai maintenant la parole à Mme Sonia Mancier, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, FIC, secteur privé. Bonjour, je suis infirmière auxiliaire chef d'équipe. Je travaille depuis 14 ans dans un CHSLD privé conventionné de Montréal, un de ceux qui sont aux prises actuellement avec une importante éclosion de COVID-19. Je peux vous dire que ce n'est pas facile en ce moment. En plus de mon travail, j'ai 3 enfants qui sont à la maison et qui vont probablement retourner à l'école prochainement. Depuis 6 semaines, je me donne à 100% à mon travail. Je comprends qu'on est en guerre contre ce virus. J'ai travaillé sans relâche, souvent en temps supplémentaire, pour aider les résidents du CHSLD, former de nouvelles infirmières. J'ai même formé 2 médecins spécialistes qui sont venus nous donner un coup de main au centre. Notre CHSLD, qui n'avait que quelques patients positifs COVID-19 il y a 2 semaines, est maintenant presque complètement en zone chaude. Souvent, on n'a qu'un seul préposé aux bénéficiaires et une infirmière auxiliaire pour s'occuper d'un étage complet. On fait même rentrer des infirmières auxiliaires comme préposées aux bénéficiaires pour les zones COVID. Beaucoup de nos collègues tombent malades, contaminés par le virus. On ne pourra pas continuer très longtemps sans aucun renfort du SUS. Cette semaine, on apprenait que nos vacances d'été étaient suspendues jusqu'à une date indéterminée, en plus de l'annulation de nos congés pour les mois d'avril et mai. Vous savez, moi je suis prête à donner corps et âme dans cette situation de crise. Mais je vais avoir vraiment besoin de vacances cet été, surtout si mes enfants retournent à l'école. J'espère qu'on va comprendre que nous sommes des professionnels en soins, des infirmières auxiliaires, mais que nous sommes aussi des femmes, des mères de famille. Les anges gardiens ont aussi besoin de repos. Merci, mesdames et messieurs. Alors, nous allons passer à la période de questions. Madame Bédard répondra aux questions en français et Madame Denise Joseph, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, répondra aux questions en anglais. Alors, je vous inviterai à lever la main si vous souhaitez poser des questions. Alors, je vois Monsieur Henri Ouellet du journal Métro. Donc, à vous la parole, Monsieur Ouellet. Alors, j'aimerais avoir un peu plus de précision sur ce que vous demandez exactement sur l'arrêté ministériel. Est-ce que ce que vous demandez, c'est une abolition complète ou une modification de certains paramètres? Tantôt, vous disiez qu'il ne faut pas l'appliquer mur à mur. Qu'est-ce que vous aimeriez précisément qu'on fasse avec ce décret-là au gouvernement? Bon. Le premier des éléments qui est important, là, c'est d'avoir un plan où les professionnels en soins vont pouvoir avoir du repos. Donc, il faut qu'on soit capable d'annoncer qu'elles auront des vacances, qu'elles auront un moment pour se reposer cet été. Au niveau de l'arrêté, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit appliquée, mais de façon respectueuse. Il faut tenir compte des professionnels en soins de leur capacité à travailler dans d'autres endroits dans une région. Il faut tenir compte de leur capacité de changer de quart de travail, d'horaire de travail, de fin de semaine. Donc, l'arrêté doit être appliqué de façon respectueuse et de façon volontaire. Donc, ce qu'on demande, c'est que si on doit encore poursuivre avec cet arrêté, ben, je pense qu'il faut tenir compte de le faire, mais de le faire de façon humaine, bienveillante, parce que vous avez entendu ces témoignages et ces quelques témoignages parmi des centaines de témoignages qu'on a. Donc, je pense qu'on a tout avantage le plus rapidement possible à donner des signaux positifs de respect, de bienveillance, de soutien aux professionnels en soins au lieu de prendre cet arrêté-là et de l'appliquer de façon complètement irrespectueuse et extrêmement difficile. Monsieur, est-ce que vous avez encore une autre question? Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Levez la main, il faut cliquer sur le petit icône en bas à gauche, je pense, à droite de l'écran.
Eh bien, si nous n'avons aucune question, nous allons demander à Mme Bédard de conclure. Donc, je vous remercie. Sachez que la volonté des professionnels en soins, des gens que je représente, c'est d'être encore sur cette ligne de front, c'est d'être là pour leurs patients, c'est de pouvoir donner encore, pouvoir soigner, pouvoir faire le métier qu'elles adorent de faire, sauf qu'avec la situation difficile, puis vous le saviez, c'était déjà difficile avant cette crise, imaginez pendant cette crise, et là, ce qu'elles disent, c'est qu'elles ne pourront pas continuer encore comme ça pendant des semaines. Donc, elles sont des humaines derrière ces masques, il faut en tenir compte, il faut prendre soin de nos soignantes. Alors, je demande au ministère, au gouvernement, je demande aux employeurs de prendre soin d'elles. Je leur demande de les traiter avec respect et de s'assurer qu'elles pourront avoir une période de repos pour qu'elles puissent vraiment se régénérer et se restructurer, comme on dit, pour qu'elles puissent être encore au combat, parce que cette crise-là est loin d'être terminée dans le réseau de la santé. Merci.